Je suis une nouvelle meuf. Dès que je me lisse les cheveux, parce qu'ils sont tout le temps bouclés, alors on dirait Mowgli, je suis trop contente, genre je suis trop fière de mes cheveux. Hein. Ouais, j'ai compris, ouais. Du coup, tous les jours, il y a des petites stories de ce qui se passe, je vous raconte un petit peu. Donc hier, j'étais vraiment pas bien, c'est pour ça que j'ai quasiment pas fait de story. Après, on était allé au sport, j'étais dans le lit, j'ai dormi, j'avais franchement la boule au ventre parce que je me demande dans quelle direction on va réellement. Que l'on soit pour ou contre, on vit quand même quelque chose de fort et c'est compliqué. Parce que j'imagine que même les gens qui sont pour, ils entendent des choses derrière. Donc du coup, bah, est-ce que ça les rassure ou pas? Je sais pas. Moi, ce que je voulais vous dire en tout cas, c'est que comme je le disais hier, j'ai fait un réel. Désolée, il y a le soleil. J'habite dans le sud, non, je rigole. Mais comme je disais hier, j'ai fait un réel. Moi, en tout cas, je suis hyper contente parce qu'il y a quelque chose en moins de positif dans tout ça. C'est que vraiment, j'ai pu me rapprocher de certains d'entre vous. On a des discussions, on échange, que vous soyez d'accord ou pas. Je ne suis pas fermée à la discussion parce qu'on est tous différents. Maintenant, pour toutes les personnes de télé-réalité, les influenceurs, tous les gens qui sont très suivis aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose, moi, qui me choque personnellement. C'est que... bizarrement, il y a des gens, parce qu'on m'a tagué dans des stories ou des trucs, parce qu'il y a des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi, d'accord? Rawel, j'ai vu Kim, donc mon chéri et moi-même. Ok, quand on regarde la télé, les épisodes dans lesquels on a été, nous sommes des gens qui ouvrons nos gueules, d'accord? Qui disons ce que l'on pense tout haut, tout fort, etc. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur nos réseaux, on est d'accord? On assume, tu vois ce que je veux dire? En fait, sur tous les influenceurs, les gens de la télé, j'ai juste un truc à dire, c'est que j'en entends beaucoup qui gueulent, qui s'embrouillent à la télé. Alors ça, il y en a, c'est les rois, il n'y a pas de souci. Par contre, aujourd'hui, on est dans une situation grave. On parle de santé. Il y a des gens qui sont très influents sur les réseaux. Et aujourd'hui, je ne vois rien. Alors peut-être je m'envoie dans un mur, peut-être je ne suis pas au courant. Je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit. Mais je ne vois pas de prise de parole, même si ce n'est juste pour rassurer. Parce que, excusez-moi, mais... je pense que de ce que j'ai vu, Rawel habite en France, Kim habite en France, mon chéri habite en France, moi aussi. Donc peut-être qu'on est un peu plus éveillé sur la situation pour pas rassurer, mais expliquer au moins un peu notre point de vue. Et je ne demande pas de dire que l'on soit pour ou que l'on soit contre, mais ouvrir sa gueule tout le temps à la télé, je suis désolée de dire ça, mais de vous voir gueuler tout le temps comme ça. Et aujourd'hui, où on parle de quelque chose, où il y a des décès, des trucs et qu'il n'y a aucune prise de parole, si ce n'est juste pour assurer, bien évidemment, peut-être comme je dis, je m'envoie dans un mur parce que je ne suis pas au courant de qui a parlé ou quoi, mais je vois les choses qui passent et je vois rien en fait. Et je vois rien. Et ça, je me dis, mais dites-moi si je me trompe, dites-moi s'il y en a qui ont parlé ou qui rassurent leur communauté ou c'est juste ça en fait. Parce que je me dis franchement, on vit dans une situation grave et en fait je vois rien à part la pub sur W9. Ah oui, alors ça a été complètement aberrant, j'ai vraiment pas compris. Et pour ma part, en tout cas pour ma part, c'est ce que je dis, je trouve ça ridicule, vraiment. Mais après, chacun fait ce qu'il veut et chacun a le droit de s'exprimer et de faire ce qu'il a envie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais juste, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que moi, le nombre de personnes qui m'écrivent et qui ont besoin d'être rassurées, etc. Et je vois rien sur les réseaux, je vois rien. Alors que pourtant, ça tourne, ça défile les embrouilles à la télé. Ça, je le vois par contre. Ça, je le vois. Alors peut-être que c'est Instagram et qui ne met pas les choses dans le fil d'actu ou autre. Mais en tout cas, si mon message peut passer parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, rassurez votre communauté vraiment parce qu'en France, comme peut-être ailleurs ou partout dans le monde, je sais pas, mais en tout cas en France, que moi j'habite en France, les gens ont besoin d'être rassurés, les amis. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Et quand je dis rassurés, je sais pas quel mot vous pouvez utiliser ou quel discours vous pouvez faire, ou même si ce n'est que de dire vous inquiétez pas, ça va s'arranger, j'en sais rien, vous voyez. Mais quand je vois, j'arrête pas de voir des trucs en fait sur les Marseillais qui passent de la télé, des épisodes, etc. Et je me dis, mais ils sont où ces gens-là en fait? Ils sont où? Genre, pourquoi on n'entend personne qui s'exprime un minimum? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? Ils ont peur? Ils pensent qu'à leur gueule? Ils ont peur que leur Instagram saute? Ils ont peur que leur réseau saute? Il faut que je sois entre les deux, on s'en bat les reins. Mais genre, je sais pas, faut pas penser qu'à sa petite personne. Et après, encore une fois, je dis, je ne sais pas qui a pris la parole, mais je trouve ça désolant parce que je ne vois rien. Alors éclairez-moi, dites-moi. Après, quand j'y réfléchis, franchement, je vais être honnête avec vous et je sais qu'il y en a certains qui vont me détester. Mais écoutez, c'est ma façon de penser, c'est ce que je ressens. Quand j'ai vu cette pub à la télé, et en tout cas, moi, je ne l'ai pas vue à la télé parce que je ne sais même pas si j'ai pas les chaînes normales, je ne regarde que Netflix. En tout cas, je l'ai vu passer sur les réseaux et je me suis dit, ah ouais, première idée qui m'est venue, bon, ben, ces gens-là, soit ils ont pris un chèque, soit ils ont un contrat, pour être clair. Et en fait, c'est là où je me dis, il y a un problème. Genre... est-ce qu'il y en a certains qui ont signé des trucs et en fait ils sont plus d'accord parce qu'ils voient que ça change et du coup ils peuvent pas parler? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Genre,
qu'est-ce qui s'est passé. Moi, en tout cas, éveiller ma curiosité parce que, comme je dis, je ne blâme personne parce que je ne suis pas au courant. Par contre, je me pose des vraies questions. Et qui va répondre à mes questions si je n'en parle pas avec vous? Parce que vous suivez peut-être la vie de certains. Il y en a certains qui ont pris la parole ou qui, tu voyais, parce que bah, la situation est grave quand même. Donc, je sais pas, bah, éveillez ma curiosité. Dites-moi, genre, si vous savez des choses et ça m'intéresse. Bon, sur ce, je pars travailler. Voilà, une nouvelle journée commence. Je suis beaucoup plus positive. J'essaye de relativiser, de me dire que bah, on va essayer de trouver une solution. J'espère que ça va aller. Malgré tout ce que je bois, je suis toujours obligée de revenir avec un peu de négatif parce que je trouve que c'est grave. Enfin bref, les amis, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Profitez au max avec tout le monde. On ne sait pas de quoi demain il fait, aujourd'hui encore plus. Voilà. Mais essayez d'être positif et de relativiser. Pensez toujours, moi je me dis toujours, pense à des gens qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de toit, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas se laver, qui n'ont plus de travail aujourd'hui. Donc relativisez en regardant votre vie et j'espère qu'elle est mieux que tout ce que j'ai cité là. Et je vous souhaite le meilleur et voilà, moi là je pars travailler, restons positifs, restons unis. Je suis sûre que ça va le faire et qu'on va y arriver. Piece of work. C'est beau, on adore, c'est très été, très coloré. Et qu'est-ce que je vois? Du coup aujourd'hui c'est le jour où je prends soin de ma peau avec les produits halluriques, vous connaissez, toutes les semaines je vous montre, je fais mon petit soin avant toute chose bien évidemment, je nettoie mon visage pour qu'il soit bien propre pour pouvoir appliquer les produits, bon comme d'hab je suis un peu la con pour pas changer. Du coup j'applique le sérum hallurique à base d'acide hyaluronique, l'acide hyaluronique je le rappelle ça permet de repulper la peau. Et notamment c'est ce que les chirurgiens injectent quand on fait des injections pour gonfler la bouche. Attention bien évidemment ce n'est pas le même acide hyaluronique que l'on soit clair. Du coup grâce au roll-on, donc le roll-on c'est ce que je tiens dans mes mains en fait, c'est une petite roulette avec des micros aiguilles et en fait je fais pénétrer en profondeur le sérum pour faire un soin en profondeur à la maison tout simplement. J'insiste bien sur la bouche parce que j'aime bien, ça repulpe ma bouche en fait, j'ai l'impression vraiment que ça donne un côté rosé et bien repulpé. Je vais ensuite utiliser la crème, donc Hallurique, qui est une crème de 1. On peut autant l'utiliser le matin que le soir. Et c'est une crème à base de vitamine C et d'acide hyaluronique. Du coup, bah, on continue dans le soin. Je conseille vraiment d'utiliser les soins comme je les utilise maintenant le soir. Comme ça, vous dormez toute la nuit, ça va bien faire effet. Bien évidemment, le matin, vous levez, vous lavez votre visage tout simplement et vous pouvez remettre de la crème puisqu'elle est 2 en 1, autant pour le matin que pour le soir. J'ai donc fini mon soin Hallurique. Il y a plein de petits produits chez Hallurique. Vous avez des masques, vous avez des compléments alimentaires, vous avez les sérums anti-âge, vous avez le sérum anti-acné. Il y a vraiment plein de choses. N'hésitez pas à jeter un œil sur le site. Il y a vraiment plein de produits et les produits sont canon, ça marche vraiment. Ça y est, on l'a perdu. Ça y est, on l'a perdu. Bah 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 putain ça me manque hein. Putain ça me manque. Tu vas faire quoi mon amour là? Je joue au football mon cher. Je suis venu voir mon chéri jouer au football. Ça va te détendre la nouille un peu là. Ouais j'ai besoin. Il est un peu énervé là. Il est un peu beau. Vas-y Mimi.